Ouais, prêt. Eh ben, vous lancez pas? Si, et il en sélectionne. Bon, ben, c'est bien, Dark. Si tu bats le troisième, j'ai même pas besoin de jouer. Ce serait parfait, ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas la tête à jouer, en plus, c'est bien. Il va faire un 3-0. Et tu sais que si cette partie, enfin ce match entier, on le gagne, on est vraiment bien hein, pour le Super Bowl. Ben, on a perdu un match de team jusqu'à présent, je crois. Ah, en fait, si on le gagne, je crois qu'on est dans le top 4. Hein. Ouais, ce serait super ça. Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Ben, concentration. Oh, le bon match-up. Oh. Enfin, sauf si c'est Murloc. Sauf si c'est quoi, t'as dit? Sauf si c'est Murloc. En vrai, t'as pas envie de garder Oh, Drake Azure au cas où? Parce que oh. si tu repioches pas un dragon, c'est la cata, hein. Vaut mieux pas prendre le risque, je pense. Bon, bah, de toute façon, je vais croire Ouais. Est-ce que t'as envie de Krog Dragonnet, le tour 1? non, je fais juste croire. À quoi tu as. Moi, je pense que je Krog Dragonnet au cas où il, en plus il met. Non, t'as raison, croire. Non, mais t'as raison, croire du dragonnet. Parce que si c'est un noble sacrifice. Toute façon, t'as un T2. En vrai, la Nova, elle est bien. Dans le match-up, elle est vraiment bien. Ça, c'est parfait, ça. Oh, et ça, c'est parfait aussi, ça. Bon, c'est pas esprit combatif. C'est pas noble sacrifice. C'est pas repentir. Donc, c'est venger ou esprit C'est combatif. de toute façon, l'esprit combatif, je vais le tester. Hein. S'il me sort un régiment, j'en tue que deux. Ouais. Ouais, faut juste que tu pioches ta bombe de lumière ou mot de l'homme mort pour être vraiment bien. Et l'ensevelir pour être confortable. Vu que c'est le secret, c'est la bombe de lumière qui fait. Mais Le secret, bombe de lumière, à un moment, c'est bon. en fait, dans le match-up, pour l'avoir joué aussi blindé, c'est vraiment la clérique du comté du Nord qui fait la différence. Si tu l'as, tu vas tellement piocher Pour la qu'il pourra jamais revenir. Attends, le croc, le croc. Ah, ah non, attaque avec la 2-3 face et puis tu croques. Non. oui, je vais. Ouais, si, moi j'aurais face, tu vois, avec le croc, avec le dragonnet, et puis tester le croc dans la créature. Bah bon, ça revient au même, à part que là, le dragonnet a pris un dégât pour rien. Moi, j'aurais pas testé parce que si c'est la 2-1, il l'aurait tué en fait. C'est pour ça que j'aurais testé avec le dragonnet face d'abord. Chiant. Bah ouais, un gardien du crépuscule, je pense. Hein. Mais ça rend bon cher, franchement. Là, si tu tues le Oh! déchiqueteur, c'est un vengé sur le repop. Hein. Donc je pense que tu le tues pas, en fait. Non, moi je suis pas, je fais ici. Là, Il c'est a le tour peut-être. d'Orep ou de Crashvas. L'esprit combatif juste sur lui, c'est parfait. Parce qu'en plus, il va te l'envoyer dans la 2-4, du coup. Dans la 3-6, il a un régiment, mais si. Sauf que si régiment, on a un pur régiment, le bras sac. Ah, ça c'est relou par contre. Encore faire ça, c'est. Ouais, il va aller dans la 3-6. Hein. Mais après, tu pourrais limite le mot de l'homme mort, mais c'est parce que t'en as pas d'autre pour l'adversaire après. En fait, ça dépend si je peux acheter tout. On va voir si je. Après, il est pas obligé d'attaquer, hein. Mais ce serait une erreur de pas attaquer. What?
Ils vont se redonner de la vie, il avait peur. Ah, choix difficile. Oh. Tu pourrais soit Nova, mais c'est certainement un Vengé en fait. C'est pour ça que moi j'aurais limite envie de Maud Longmort à cause du Vengé en fait. Mais Parce non, en que fait. si c'est un Vengé qui proque sur le hibou, tu sais pas le trade si Mais tu fais le si, corrupteur. c'est le corrupteur. Le corrupteur, ça Ah oui, trade. mais alors tu dois envoyer tes deux créatures dans le déchiqueteur alors. Bah oui, il n'y en a qu'une seule qui meurt. Hein. Ouais, tu peux faire ça aussi, ouais. Moi, je teste. Bah l'autre meurt pas, mais bon, il la trade à l'arme. Hein. C'est parfait, ça. Enfin, ça dépend le repop. Ça va. Oh, il est beau en gold, hein, le meneur des Fias, c'est la première fois que je le vois en gold. Y a tellement personne qui le joue. Bon, là, si l'adversaire, c'est bien. Mon avis, il va mettre la 2-2 et l'arme dans ton truc, ouais. Et du coup, tu pourras proc tous les secrets que t'as 2-1. Ah non, même pas. Je pense que tu vas Dracazur, à moins que tu top deck la cabale. Ça le remet un petit peu dans la tempo du match. Hein. Parce que là, il va pouvoir remettre coup d'arme et 2-2 dedans, mais il se remet à 12 points de vie, quoi. Après, il sait que t'as pas de burst, donc. Il fait ça juste pour garder une 2-2, en fait. C'est cher quand même, non? Il l'aurait pas attendant par Non, moi je me demande s'il a pas plutôt faveur divine. Moi, je pense que je mettrais Dragonnet et Nova en fait. Je pense vraiment qu'il a la faveur divine. Et s'il claque l'arme dans ton Dragonnet, c'est ouais, parfait. non, mais moi aussi c'est ça. Là, s'il claque l'arme dedans, t'es parfait. Et s'il claque pas, t'as un choix de Velen. Après, faudrait pas qu'il Tyrion. Parce que s'il pète l'arme, c'est qu'il a peut-être Tyrion. Non, en fait, il a juste une main de merde en fait. Non, là c'est la faveur. Bah, il n'a pas la faveur, sinon là il l'aurait faite. Donc je pense que tu mets le taunt 2-4 puis le Drake. Hein. Tu dois aller piocher de toute façon. C'est un peu relou ta main en fait. Parce que ça lui permet de revenir dans le match alors que tu étais largement devant, quoi. Là c'est une cléric du Comté du Nord ou une Nova qui te mettrait bien. Ou une bombe de lumière. Là, une bombe de lumière te remet magnifiquement bien. Oh, mais c'est de la taupe, ça. Je pense que tu modes Longmort et tu fais, non? Dark? Allô, allô? Ouais, 2 secondes. Attends, attends, je pense que Ouais. tu chouettes Velen, puis tu fais et tu modes Longmort, non? Si c'est un up sacrifice, c'est chiant, Ouais. mais je pense pas que c'est ça, hein? Non, Oh putain, ça l'est quand même. mais non, mais quoi qu'il arrive, je tue. Bah, sur une Nova Mais je top le deck. soigne. Je Ouais, le bien sûr, soigne. bien sûr. Là, sur les bombes, il pourrait du coup tuer peut-être ton Drake. Sur une hulle d'amant, il pourrait se mettre bien. Bon, bah, te faut Nova ou bombe de lumière. Hein. Là, ce serait vraiment le. Bombe face, 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 face. Reface, 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 reface. Yeah! Ah merde. Bon ben un Drake, ce serait bien que tu top deck un Drake du coup.
Moi, je pense que tu poses quand même le dragon, non? Mais d'abord la cléric, ou d'abord le réducteur pour le secret, non? Le dragon, je pense que tu le poses d'office, vu ce qu'il a là, tu es obligé de trade. Et tu gardes la Alors déjà, je cléric. pose déjà le réducteur. Ouais, réducteur puis Drake et Non. tu te soignes, je pense, en fait. Non, non, pas la cléric, parce que s'il te la tue, t'as plus de pioche. Ouais, je me soigne. C'est ça. Et au prochain, tu peux choix de Velen. Il va venir trade avec ses deux tokens, t'as 3-2, ou ça dépend ce qu'il pioche, mais. Là, c'est vraiment la pioche qu'il te faut, en fait, parce que c'est ça qui fait toute la différence, là. Faut pas qu'il top deck un truc pourri, hein. Ça, tu t'en branles. Le couteau face ou dans la 2-6. Ça, c'est parfait. Du coup, il est obligé d'envoyer 2-1-1 dans le jongleur. Il peut pas se permettre d'envoyer son arme dedans. Tu pourras pas trade le jongleur parce qu'il y a un noble sacrifice à tous les coups ou un vengé. Je pense que tu poses la cléric et tu soignes pour piocher déjà, non? Dark. Dark. Parfait. Ne Oui, fais pas des AFK, attends. hein. Non. Comment je joue ça? Clair, je Cléric pioche. piocher, hein. Un autre bouclier sur la carrière. Ouais. Tro. J'ai envie de bombe de lumière. Bah, va d'abord attaquer Face d'abord si c'est un noble. Ouais. Bombe. Bah ouais, en fait, ouais, en fait, ouais. Ouais, c'est une rédemption. Bah au final, c'est pas terrible en fait, hein. Non, ça lui donne un bon jongleur qui va pouvoir trade du coup tes deux créas en fait. C'est peut-être une erreur ce qu'on vient de faire en fait. Surtout s'il pioche un gros ton. Non, du coup, c'était une belle erreur ce qu'on vient de faire en fait. On n'aurait pas dû bombe de lumière. Parce que là, ça le remet clairement dans la game, le gars, en fait. Après, s'il tue pas ta cléric, c'est lui qui fait une grosse erreur, là. Parce que du coup, ça te redonne une bombe de lumière. Ou tu vas repiocher blindé. Non, en gros, j'étais à moitié là parce que j'étais aux toilettes vite fait en même temps. Ah, d'accord. Bah oui, je me disais, C'est c'est pas le pour moment d'AFK. Je dis, oh, il va face, il est con. T'as une autre bombe de lumière, du coup, qui est bien. Et tu peux soigner tes créas, du coup. Pourquoi il a fait ça? Bah parce qu'il est con. Mais nous, on a été con de bombe de lumière. Attends, attends, attends. Soigne d'abord et va piocher. Non, mais ça va Ah rien non, 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 changer. non, non. Tu soignes le Drake. Tu soignes le Drake. Et après, tu tapes dans Crash Vase, tu bombes de lumière, Oui, ainsi exact, Crash Vase. oui. En vrai, on n'aurait pas dû claquer la bombe de lumière, hein, parce que ça lui donnait presque un létal, là. Voilà, t'envoies le Drake. Et t'envoies pas la cléric, hein, sinon il la trade. Non. Mais en vrai, il peut gagner la partie sur un top deck Tyrion ou adversaire, hein. Je pense que tu Oh, choisis c'est Velen bien. Nova, hein. Ouais, exactement. Et tu trades le Je repop. regagne mon. Enfin, ça dépend ce qui repop. Chiant. Franchement, je me soigne. Ouais, parce que de toute façon, si tu lui fais piocher deux cartes, il va Ouais. revenir. Je me Donc tu soigne et je fais. face. Parce que prochain Ouais. tour, j'ai l'étal avec Corrupteur. Ouais, parce que de toute façon, sur Bene, il a pas l'étal. Sur Champion non plus. Mais Non, s'il pioche deux cartes. pour moi, la seule façon, c'est de se soigner. C'est ça, tu vois, il va piocher. Ah, GG. Enfin, dès que j'étais plus trop aux toilettes, ça allait, hein. Oui. Bon, attends, attends, je le préviens juste que je lui ai déjà dit en fait. Que pendant 3 De secondes, je quoi? suis aux toilettes. Que pendant 3 secondes, je suis aux toilettes. Ah.
C'est bon. On est Re. reparti. Donc j'ai validé mon prêt. Lui, il a druide d'Emopala. Ok, bah, je vais jouer druide d'Emopala. Bah, je vais Maligos, hein. Tu vas mettre quoi? Non, mage prise. Ouais, parce que je pense qu'il va ressortir le pala quand même. Hein. Ouais, je l'ai fait. Franchement, c'est une meilleure. Là, je pense que ce match-up-là est meilleur que ceux d'avant. Ouh, ça c'est relou par contre. Moi, je sais pas. Parce que perso, tous les druides en ce moment que je crois sur les deux, je les ai battus avec le mage prise. Ben oui, mais c'est un match-up assez difficile quand même, quoi. Il est gagnable, hein, mais c'est difficile. Je pense que tu vires tout, hein. Bon. Parce que Ouais, la... non, là on peut les secrets direct. Ouais. C'est ça, Là, je l'acolyte lance contre un. druide... Ah, c'est bon ça. En fait, ça se gagne sur le fait qu'il n'a pas de flanc. Ben, faut prier qu'il ait pas d'Axel, mais ça sent l'Axel déjà. Normalement, contre ce match-up-là, tu claques déjà un éclair de givre sur l'aspirante, quoi. Après, si tu mets ça avant, il va être obligé de le gérer, sinon tu trade ping. Ouais. Mais à part Innerve, gardien du bosquet, bah c'est bon ça. Enfin, c'est bon, l'ombre, c'est assez relou parce que y a que Nova Hospice pour la gérer, quoi. Trade ping, hein, sinon tu te prends un déchiqueteur prochain tour. Hein. Oui, très bien. C'est barrière, c'est parfait ça. Après, contre le druide, normalement les Nova Hospice ne passent jamais. Hein. Il joue gardien du bosquet, il le garde que pour ça. Donc... Par contre, Hero Power T3, c'est bon. Pas de croissance sauvage, ça c'est très bon. Bah, tu pioches, hein. Intelligence, hein. Après, ce qu'il nous donne comme info s'il joue les Dernassus, c'est qu'il joue pas la version double racine, double Drake. Donc il joue peut-être Ancien de la Guerre. Peut-être Contrôleur Mental. Façon, je teste le Nova Hospice le prochain tour. Bah, je pense que t'as pas le choix. Hein. Le mieux, c'est de le tester tour 7, ça c'est sûr. Et là, si tu l'empêches de T5, ça peut être bien aussi. Hein. Ouais, de toute façon, t'as rien d'autre à faire en fait. Franchement, je fais Nova Hospice. Bah ouais, t'as rien d'autre en fait. C'est chiant là parce que t'as pas de pioche, t'as pas d'autres secrets, t'as. Là, au final, l'acolyte aurait Oh, été puis bien. s'il est... Je suis bizarre au prochain tour. Bon, enfin, Blizzard, ça dépend ce qu'il joue. Hein. Bon, Ah non, pas la carte de droite. Hein. Ah, c'est Innerve colère. mais c'est cher à utiliser son lumière, non? Oui, mais bon, en attendant, il n'a pas claqué de silence. Et là, c'est un tour de merde. Je pense qu'il va pas sortir la shade parce que sinon il se prend une boule de feu. Donc je pense que tu peux te permettre de juste ping face et bloc de glace, non? Ouais. Vraiment, ça fera bizarre au prochain. Bah en fait t'es mal en fait avec ta main là. Ouais. Je peux très bien. Le robot de soin là il nous sert à rien, la pyro sert à rien. T'as pas l'Antonidas qui est obligé. Oh putain il tape quand même, il a pas peur la boule de feu. Ah, il se dit que ta Nova Hospice est passée en fait et que t'en auras pas d'autres et au pire il a le gardien du bosquet quoi. Oh. Ah, du coup t'es obligé de Blizzard. Hein. Oui. Est-ce que t'as pas envie de javelot l'ombre en fait? Parce que tu la tueras plus jamais sinon. Mais c'est clairement la créature qui peut lui donner le létal quoi. Ouais. Là, en fait, Ouais, c'est de la pioche qu'il te faut, en fait. Ouais, donc je sais bien ce que je disais, il joue un ancien de la guerre. Hein. Ping déchiqueteur.
Les robots de Ouais, soins? déchiqueteur robot. Ouais. Pas d'hospice, malheureusement. Ouais. Là, je pense là, il peut le pin. Avec la combo, il peut pin. Ouais, de toute façon, même s'il te fait pas proc ce tour-ci, il te fera proc au prochain. Et il peut pas combo à moins d'énerve. Par contre, au prochain, il pourra. Et vu qu'il a rien joué avant T5, c'est qu'il a certainement la combo. Par contre, je suis à l'extra dans le prochain tour. Ah, tu vas être obligé, hein, de toute façon. Mais vu qu'il joue rien, il a certainement que des cartes réactives ou la combo. Ouais, c'est la combo, ça, c'est sûr. Et il a un gardien du bosquet, sinon je pense pas qu'il aurait Toto en fait. Si jamais je pioche bloc de glace, on a gagné. Ouais. Faut l'avoir. Mais t'as pas le létal, c'est ça le problème. À cause de ses points d'armure. Il a 19, toi t'as 6, 12, 16. Donc il te manque 3 points de dégâts en fait. C'est pour ça que je parle du bloc de glace. Mais t'avais pas gagné sur bloc de glace s'il avait au reb. Le pire qu'il puisse te faire, c'est faire proc et ancien du savoir heal, quoi. Ouais, ça... Mais comment il peut pas faire ça? Bah si. Il a Torissan, hein. En vrai, si tu pioches pas le Ça bloc de glace, c'est perdu en fait. Hein. oui, c'est pour ça. Si je peux pas vous dégager, c'est pas. Ah, il va trade ton Drake. Ça joue sur ce tour. Ça C'est joue sur ça. le top deck de bloc de glace. Tu peux acolyte, ping acolyte, hein. Mais je pense que c'est quand Exactement, même je suis perdu. Hein. dedans. Parce que du coup, tu pourras juste éclair de gif du tour, quoi. On va rater. Ah, dommage. On va rater. Bah, quitte, hein. Ok. Ah, quand le druide il sort comme ça. Enfin, non, quand toi tu sors comme ça en fait. Il a eu les réponses qu'il fallait, voilà quoi. Attends, mais là il va jouer quoi? Ben, il lui reste Paladin secret et c'était quoi le dernier? C'est Paladin secret ou Démoniste, non? Démoniste. Bah, je te reprends le Magiv, non? Ouais. T'es favorable contre Mais les tu deux, as hein? pardon. Parce que dans les deux cas, de toute façon, t'auras difficile de valider ton Malilock, là, je pense, hein? Oui, Contre Démo, t'es bien, hein? Même si c'est un Reno, ça dépend comment il joue, mais. vous l'avez cherché. Contre nous, moi je crois que je suis. Ben, ça dépend comment le Mais moi, Reno c'est pas joue du en tout fait. moi comment. Si t'as un bon Torissan et que tu vas chercher un létal à 21-22, il s'en doutera pas. Ouais. Mais pour ça, il faut avoir un Torissan plus tous tes blasts quasiment. Soit double boule de feu, double éclair, ou deux éclairs, deux javelots, ou... etc. quoi. Bon, s'il le pièce, c'est qu'il en a un autre en main. Et qui joue Malilock alors. Ou alors Commence qui bien joue son Zo. retour là. Ça commence bien sa sortie. Là, je t'entends quasi pas en fait. Je disais, ça commence bien sa sortie. Hein. Oui, ça c'est clair. Après, t'es pas mal, hein. Savant, intelligence. Ah, c'est bien, Zo. Est-ce que t'as pas envie simplement de... T'es pas Moi obligé de là je suis à trade? côté Moi, je pense que tu vas face s'il a pas de soins. T'auras pas besoin d'Alexstrasza pour gagner.
tu Non, maximises non, les c'est... dégâts faits, en fait. Puisque toi, de toute façon, la partie se jouera sur un contrôle, une AOE, en fait. Et là, il va être tenté d'envoyer les deux dans le dans l'acolyte, quoi. Après, le trade, ne pas trade aurait été une erreur s'il y a un loup alpha, en fait. Mais il l'a pas. Ouais, c'est ça, hein. Si t'auspices et qu'il a un boost, ça passe pas. Mais si tu trades la 2-2 et que t'auspices, non, ça sert à rien en fait. Non, moi je pense que tu vas piocher simplement avec l'intelligence en fait. Ouais. Ouais, il te faut une Nova avec l'auspice en fait. Et du coup, là, je pense quand même que Moi je suis là de deux. Ouais, je pense, ouais. Parce que là j'ai besoin d'un secret, hein. Moi c'est pas... Enfin je garde des C'est secrets. ça. C'est ça. Puis les secrets ça va accélérer mon deck, hein, quand Ouais, même. mais c'est un bloc, c'est ça qui est chiant. Ouais, c'est... Ouais, en fait, il aurait peut-être même Après, j'ai fallu trade reboté. au tour d'avant, en fait. J'ai reboté son. Pour épurer le deck de 1. Logiquement, il envoie ça 2-4 dans ton acolyte. Hein. Ou il se dit, il te laisse encore piocher et tu proc la rampante, ce serait pas bon pour lui. Hein. Après, c'est sûrement la version token hein, qui joue s'il joue rampante. Donc, il a les géants. Le bizarre va être très bien en fait. Là, par contre, tu vas prendre cher au prochain. Je pense que tu peux robot de soin en fait. Non, mais je rebute. Attends, tu peux, t'as pas envie de Oh, Nova ok. Bah Hospice? Et si, si c'est ça bon. foire, t'as le blizzard au prochain? Bah Salut! Salut. Salut! Salut. C'est Ça qui va nous bien? rejoint là? C'est Yuktag. C'est Yukag. Ah! Ouais, on est en Super Brawl là, c'est 1-1. On est en... Pour l'instant, je suis en train d'éliminer. Pour l'instant, j'ai éliminé tout le monde. Je suis sur le dernier adversaire. Ouais, Dark a fait, je crois, c'est 3-0 et 3-1, et maintenant c'est 1-1 contre le dernier. Que le Super Brawl, c'est notre gros tournoi en fait. C'est vraiment celui où on joue tout sérieux, quoi. Le plus gros. Bon, s'il a Hero Power, c'est qu'il avait pas la chouette, hein. Ouais, Ah, il a pas la chouette. génial! Oh, Oh, qu'est-ce que tu te remets bien, là! ah bah allez. Est-ce que t'as pas envie de Ah là? robot? Je pense que le ping est inutile, là, je pense que tu robot, hein. Moi je reboue, hein. Moi Ouais, je c'est gagne ça, du hein. temps, hein, là je. Ah bah contre un deck comme ça, tu gagnes du temps. Là, il va reposer un bon board et t'auras un bon blizzard. Bah oui, bizarre. Et tu pourras aller Regardez. face avec ton petit robot, toujours Ouais. 3 points de perdu. En vrai, tour 10, t'as quand même un Antonidas avec éclair, javelot, te manque vraiment juste à l'extra. Torissan. Alextraza est pas Torissan, il indi. met trop bien Ouais, parce qu'Alextraza est pas obligatoire dans le match-up vu qu'il a pas de soin, le zoo. non, Torissan est juste trop fou. Hein. Si jamais je pioche Torissan, c'est fou. C'est la... Il réfléchit à trade, on dirait. Ouh, ça c'est le Mal'Ganis derrière, ça. Oh putain, Diablotin des flammes, mais tu le joues jamais. Mais par contre, le Mal'Ganis, s'il vient, ça pue quand même. Hein. Bizarre. Ah ouais, si tu Blizzard, tu passes tout ton tour à ça, c'est chiant. Non. Mais je crois que t'es obligé, hein. Je suis obligé, je vais pas laisser autre chose. Ouais, prochain, de toute façon, t'as la pioche, t'as le Talnos. Bah, tu trades, hein. Voilà. Hein. Il joue pas le Voile de Mort en zoo, hein. C'est juste le Mal'Ganis que tu dois avoir peur, en fait. Non, mais c'est lui qui me fait peur, c'est Mais de toute Mal'Ganis. façon, le Mal'Ganis, c'est pas grave. Avec éclair, javelot, tu peux le gérer instant. Mais dans 2 tours. Parfait. Je Bah pense que pioche tu d'abord intelligence, ouais. oh hospice bizarre c'est drôle barrière Ouais, t'as le nos, et hein. ping face ouais t'as mieux Toute façon, sans Torissan, le Talnos te servira pas à faire les dégâts. Hein.
Non, Bizarre Hospice, ça va être bien. Mais s'il y en a de gagné, c'est bien. Ouais, mais tu gèleras pas le repop du truc, hein. Non, mais c'est après que ma gagne soit arrivée que je veux jouer. Ah oui, Pas ça c'est avant. sûr. Bon, il aura bien eu sa chouette, hein. En fait, ça aurait été bien de proc la 3-2 avant de jouer l'hospice, en fait. Non, en Après, fait, c'est non, pas en fait, grave. non, non. Mais Hein, non, en fait, on a non. gagné. Tu Blizzard hospice. Enfin, non, tu Nova hospice. Et en fait, au prochain, quand Mal'Ganis pop, tu fais Antonidas, éclair, javelot dessus. Et ça Ouais. te fait tes deux boules de feu. Et là, tu fais hospice et tu ping face. Ouais, c'est ça. Tu pourrais même Sauf que éclair de tu sais que gif moi j'ai. face, non? Moi je crois que je peux. Mais oui, totalement. Parce que. Oui. Ah là, il est gelé, hein. Là, il est gelé de mettre partout, Oui, de partout hein. Bon, là, ce qu'il pourrait, c'est silence à 8-8, trade l'hospice. Parce que s'il chouette l'hospice, c'est une erreur. là. Bah, je sais que c'est énorme, mais en même temps, il a pas trop le choix en vrai. Non, mais s'il silence, il doit silence la 8-8. Mais je pense qu'il a pas, il a pas le si... Ah, tu vois, c'est une erreur. Il devait silence la 8-8 et attaquer dans l'hospice, en fait. Parce que là, il laisse l'hospice sur board, en fait. Ce qui est toujours mieux pour les bombes, hein, pour toi, mais... Ah, tu vois, il va absolument son Mal'Ganis, hein. Mais c'est débile, ce qu'il vient de faire. Attends, mais c'est débile. Ah non, non, ton hospice passe pas, c'est vrai. Attends, t'as pas envie de plutôt Blizzard d'abord ce tour-ci? Parce que si tu tues Mal'Ganis. Attends, non, 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 je dis des bêtises, je dis des bêtises. Non, 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 je dis des bêtises parce que le problème c'est que tu fais rien d'autre du tour. Oui, je suis obligé de tuer. Bah oui, t'es obligé. Mais il tue ton Antonidas direct, mais bon, t'as le létal. Mais pas au suivant, quoi. Mais c'est gagné là, c'est sûr. Ouais, non, je disais des Est-ce que bêtises. j'ai le deuxième bloc de glace en main? Ah ouais, je sais bien, mais bon. Mais là, il te trade Antonidas, mais je voulais éviter ça, mais en fait, c'est pas possible. On s'en fout qu'il le trade, on a gagné quand même. Ouais, je sais bien, mais bon. Justement, moi ça m'arrange encore plus, c'est-à-dire il n'y a même pas. En plus, attends, sérieux, j'ai 33 PV, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est impossible. C'est vrai. Hein? Bah, je pense qu'au prochain, tu pyro pour au cas où il sort au rep, tu lâches avec une boule de feu, du coup. Ah oui, non, mais bien sûr, je suis à Pyro en premier. Oui. Ça, on s'en branle, mais royal, quoi. Il va même pas réussir à proquer juste le premier bloc de glace. Bah ouais, putain, tour 10, il fait juste Argus, quoi. Bon, là, ça sent la mort. Il peut même pas mettre un robot de soin, même s'il l'a. Il peut rien. Il s'est tué tout seul. Ah, il va proc ton bloc peut-être? Non, il a toujours pas. Là, il le proc pas, hein, je crois. Ah, si, peut. Mais ça va. Enfin, je vois pas quelle main tu pourrais avoir pour pas avoir l'état. Bah, de toute façon, il sait que t'as deux boules de feu de l'Antonidas. Oui. Yeah, 2-1. Bon, par contre, valider ton Malilock. Allez! On va gagner ce 3-0, tu vois. Ce Dans la voiture. Malilock contre Zo, t'es favorable, je pense. Moi aussi, je pense que. Après, contre Secret, t'es pas très favorable. Ça dépend. Ça dépend de l'histoire. Ben, à part le BGH pour gérer l'adversaire, t'as rien d'autre, quoi. Ouais, mais j'ai double BGH. Ouais, ça, ouais. Mais pour ça, il faut avoir. Oh, bah, ben, c'est bon. Toute façon, il est obligé de valider les deux contre lui. Hein, donc. Ben, je crois que tu gardes tout, même. Moi, je garde tout. Ouais, le croc c'est trop fort, la flamme contre lui c'est trop fort. Et le voile, bah c'est trop fort. Tu viens pas nous voir, Yuktak? Oh. Si, il est en spec là. Si, il est en spec. Ah, je t'avais pas vu en spec.
Tu es Voilà, c'est la furtif. partie. Je t'ai dit, si on gagne celle-là, c'est la folie. Parce que On est Youptak, en sûr de fait, gagner pour la vie. l'instant, c'est la 5e semaine du Super Bowl et on n'a perdu qu'un match. Donc si on gagne celui-là, normalement, on est dans le top 4 du Super Bowl. C'est vrai que, franchement, on est en train de les ace quasiment tout le temps. C'est cool, c'est cool. Moi, je pense que tu trades sinistre, non? Ouais, très sinistre. Putain, mais t'as une sortie du feu quand même. Bah, je pense que tu joues la jeune prêtresse, non? Ouais. Parmi les 3-2-1, c'est la seule qui te sera utile en fait. Bah, le soin peut me servir, mais sans plus. Ouais, en match de team, j'ai vu l'autre jour un gars qui a chopé le Murloc là, 1-2, qui détruit un Murloc. Non, le Ah crabe, crabe là. Mais il était contre un paladin Rhéno, donc il pouvait tuer le Murloc 3-4. Mais bon, ça s'est pas produit. Bah, je pense que tu. Non, je pense que tu trades même pas. Je pense que tu joues la jeune prêtresse et du coup tu as un trade favorable et tu pioches Non, c'est d'abord. ça ce que je dis. Ce que je dis, non, je peux. Non, là, là. C'est à la fin du tour où j'aurai la 2-3, pas maintenant. Ben justement, tu pioches, tu Oui, donc poses là, la je pioche. prêtresse Oui, c'est ça. et après tu fais face avec la 2-2. Oui, c'est ça. S'il trade la 2-1, tu t'en Oui, branles et pour la 2-3, il sera. non, mais oui, je suis d'accord. Non, mais c'était ça mon père. Oui. Je suis tout là. D'accord. Ouais, par contre, il serait bien que t'étais Drake 3-6, tes corrupteurs étaient Ouais. Bah là, maintenant que j'ai Drake ma Big Boss, je peux Crépuscule. jouer tous les dragons. Ben oui, c'est ça, mais ce serait bien que tu les aies. Ou Que ce soit des dragons ou même des non-dragons, tout ce qui a un rapport avec les dragons, là, je peux tout jouer. ton Donc, chef de gang des Diablotins, ça, ce serait terrible. ouais, c'est fou. Oh, bah, contre lui, c'est mortel. Franchement, tant qu'il n'a pas les œufs, moi, je suis rassuré, en fait. Parce que les œufs puissance accablante, c'est vraiment le truc qui te met au fond contre Zo. Ouais, dit O, hein, on était trois, hein. Ouais, non, mais il sait qu'il est pas, il sait qu'il est pas bien. Ouais, ben si c'est pour Ça, c'est faire ça, bien. t'as pas besoin de réfléchir, hein. Non, marcheur. Ah, il va dans la 2-1, bah ouais. Bah en vrai, tu trades voile de mort. Tu peux même. Oh, Oh. parfait. J'allais dire croque-pioche, mais là, t'as eu la réponse, Ah, quoi. là, c'est plus que mieux. Bah t'as tout C'est ton encore Hurley mieux. sauf tes dragons en fait. C'est vrai que les dragons, ils ont de la value que quand t'as un dragon en main, et vu que j'en ai un, là, ils auraient de la value. Après contre lui t'es pas obligé de garder la combo, hein. Tu peux claquer les bombes de matière noire pour gérer le board, je pense. Oui. L'avantage c'est qu'il joue mal. 3 ça va. Il joue Mal'Ganis, donc ton BGH a déjà de la value. Il a toujours pas joué d'implorateur T4. What? Il va face? Bah t'envoies une 1-1 dans la 2-4 et tu corrupteur la 2-4. Non, mais c'est ça. Ouais, ou dans l'autre sens, ça revenait au même. Il fait quand même 2 tokens, mais bon. Par contre, je suis obligé de traiter. Pourquoi t'es obligé de Ah, trade? quoi que non. Parce qu'en fait, je sais ce qu'il a dans sa tête là. La seule truc qu'il a envie de jouer, là, il a envie de jouer géant, tu vois. Donc il a envie qu'il y ait beaucoup de créa sur le board. Sauf que vu que j'ai le BGH, en fait, je le compte. Ouais, bah oui. Après, s'il a double géant. Et reliquaire, non, moi je pense que tu trades quand même au cas où il a la reliquaire, parce que le géant il pourra le jouer pour 5 mana. Et je pense que t'envoies ta 2-1 aussi. Ouais. Parce que là, de toute façon, il y a 6 créatures, donc il peut quand même jouer son géant pour 4, mais ça lui prend tout son tour du coup. Ouais. Sauf s'il met un T1 ou T2. Parce qu'il a aussi la reliquaire hein, qui peut être elle dangereuse. Ouais, ça pue le géant. Hein. Et Vas-y, voilà, c'est pas géant ça à quoi. 1 quoi. Bon, les doubles éruptions est passée, donc je pense que tu vas flamme infernale BGH. Hein. Ah, tu peux pas.
Bon, même pas besoin en fait. BGH. BGH, croque zombie. Et tu pioches, hein. Ouais. Les deux Implosions sont passés, c'est déjà une bonne menace. Un géant est déjà passé. Faudrait pas qu'il sorte le deuxième géant. Comment on sait qu'il joue Mal'Ganis? Ouais. Donc s'il joue Mal'Ganis avec double implorateur et géant, normalement ça veut dire qu'il joue l'ancien zoo où il n'y a qu'un seul géant. Et qu'il joue pas les reliquaires normalement. Ou alors, il a cut des choses, hein, parce que tu peux pas tout jouer. Je pense pas qu'il joue les reliquaires. Et du coup, il doit pas jouer BGH. C'est. Il doit pas jouer Je pense qu'il Boom. joue vraiment la version 2 des mots. Ah, ton silence serait bien là. Bah, je pense que tu Drake Azur, non? Non. Tu trades la 1-1, quoi, t'es pas pressé de trade. Voilà. Ah bah attends. Non? Ah, tu trades l'œuf et tu fais une bombe de matière noire, ouais. Ah bah ouais, totalement, ouais. Ça t'évite une puissance accablante trop relou, en fait. Tout ça, ça me fait chier. T'as vu Ouais. qu'il reste 3 cartes dans mon main et tout? Bon, t'es Drake, là, ils viennent. T'as un deck dragon à la base, hein? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'as enfin, tous tes dragons sauf un dans les 16 dernières. Parce que là, un Drake du Crépuscule, c'est royal contre lui. La 3-6, c'est Ah royal. non, jamais il passe Drake du Crépuscule. Sauf avec un silence, il doit jouer comme une fois. Parce qu'en vrai, là, il life tap jamais, du coup. Il descend pas, le gars. Mais là, il va commencer à like tap bientôt. Je sais pas. Ah, s'il doit piocher, il doit le faire avant de trade. C'est bizarre qu'il va pas chercher ton Drake Azur, il a autre chose alors. Il a peut-être une bombe, mais c'est tout. Après, trois cartes en main, t'es un peu safe. Moi, je pense que même quand t'as Maligos T9, tu peux le poser à la dure. Hein. T'as même pas besoin de ta Oh. combo. Qu'est-ce que tu veux qu'il ait dans le deck pour gérer Maligos? Il a juste des silences. Là. C'est ça. Est-ce t'as pas envie de. Ah. Attends, est-ce t'as pas envie de Flamme Infernale là? Mais Tu lui repopes juste chiant. 2-1-1 Chiant. et tu poses ton Drake 3-6 derrière. Tu traites d'abord ta 4-4 dans la 2-3, tu Flamme Infernale, tu poses ton Ouais. Drake. Non mais c'est bon parce que comme ça je peux sortir mon gardien en fait. Ben, c'est ce que je Ouais, dis, comme ouais. ça. Ouais. Et lui maintenant il va être obligé de life tab hein, et toi au prochain tu te soignes. Ouais. Ah, la chouette est passée, c'est Il le teasait bon? sur ça. Ah oui, mais c'est Ouais, normal, là par contre. regarde. Ça pue du cul par contre. Oh, sergent BGH, et tu mets un robot de soin. Ouais. Oh la PLS! La tristitude. Par contre, je pense que tu fais des trades. Hein. Oui. Parce qu'à 18, ça devient dangereux quand même. Hein. Il te reste que un soin dans le deck. Bon, après, je crois que. Maligo, s'il le passe. Ben c'est ça, je crois qu'au Il passe pas prochain, mal. tu poses Maligos comme ça, si même s'il met Mal'Ganis, tu as juste une bombe de matière noire à faire, quoi. Oh, il va faire les trades, c'est parfait s'il fait les trades en fait, hein. Parce que c'est que toi qui dois pas les faire, quoi. Moi, je pense qu'il devrait aller face en fait. Hein. En vrai, je pense qu'il n'aura pas le choix non plus. Ben, Il de toute façon, à peut chaque plus tour, d'un coup. il va life tap et il va poser un board moins conséquent que le tien. Oui, il est en retard. Il est trop en retard. Pour moi, il peut pas rattraper. Donc, je pense que sa seule chance c'était d'aller face en fait. Il sait que tu as déjà claqué un soin et qu'il t'en reste qu'un. Bon, ben, Mal'Ganis, c'est voile de mort. Voldemort. Et là, normalement, c'est concede. Hein. À moins qu'il se dise qu'il peut gagner sur un Garfunes, puissance accablante. Enfin, tu peux pas concede quand tu fais. Oh!
Bah, bombe de matière noire. Non, Attends, t'as pas un létal? non. Joue d'abord le sinistre, non? Bah, si c'est une âme, moi j'avoue, j'ai. Attends, prends la puissance. Et normalement, Bah, non, mais attends, quoi qu'il t'as un létal, normalement. Non, mais quoi qu'il arrive, je suis obligé de trade la 2-7. Ouais, mais tu peux le trade avec une puissance accablante sur ton Non, non, non. mini-robot et tu gagnes un point de Attends, dégâts, donc ça te fait 8, attends. 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a l'étal. Ben ouais. Il y a l'étal. Il y a Donc une l'étal. puissance là C'est 3-3, tu fais. Enfin, bon, il y a l'étal. Voilà, et flamme infernale. Fais d'abord, hein. Ah bah GG. GG. Ah, ça c'est le beau jeu. Bon, ça fait 3-1 là. Attends, c'était 1-1, t'as validé le Maligos, t'as validé le givre. C'est bon, Ouais, c'est donc ça fini, on a fait. gagné. Ah ouais, c'est fini, GG. Je vais donner la réponse à Exil. Ah, il va être content, Exil Matin. Parce que d'habitude, on fait nos matchs à 3, tu vois, Exil nous aide pas mal. Et aujourd'hui, il savait pas être là. Donc on voulait vraiment gagner aujourd'hui, tu vois. Il est plus connecté là. Ouais, traite-le de noob si tu le vois. Tu lui dis, tu vois, on n'a pas besoin de toi. Non, il est pas connecté, je disais. Ouais, Ah, c'est magnifique, je vais lui envoyer les réseaux. bah GG, hein. Ah, mais là, je te dis, bon, super drôle, on est trop bien. Là, c'est bon, on est dans le top 4, hein, je te le dis. Hein. Ah, c'est bon, c'est très bon. À cause de cette victoire, c'est bon, on est dans le top 4. Bah, ce qui est bien, Oh, c'est qu'on a une équipe de oh. 3 et pas de 4. Donc, si on gagne les 3 000 euros, c'est 1 000 chacun, c'est parfait. Non, mais là, je crois que Non, mais c'est. j'exagère un petit peu, là. Non, mais de toute façon, là, en fait, on va aller dans le top. Le but du top, c'est pour se qualifier pour le tournoi où on jouera contre tous les gros, genre Millennium et tout ça. Ah bon, on va les manger? Bah oui, totalement. On va tous. Les Millennium, Gamers Origin et tout ça, en fait, on va jouer contre eux, du coup, là. Ouais, ça risque de Mais devenir chaud, ça, quand même. Ah bah, ça va être dur, mais ça va être des belles parties. Hein. Franchement, ça va être Moi, dur. s'il y a une partie contre Unite, je la prends parce que je suis son plus grand fan. Ah, moi j'adore le aussi. Bon, de toute façon, je vais tous éliminer, hein. Je vais éliminer Purple, Unite. On va faire un 3-0, hein. T'as Enfin, pas besoin de pour jouer, hein. éliminer Je vais jouer tout Purple, seul, hein. franchement, si tu veux éliminer Purple, moi j'ai une solution. Tu dis à ta femme d'aller voir ailleurs. Ça peut tout régler. Ben. Alors, franchement, là, je suis content. Ah, j'avoue, là, c'est trop bien pour nous.